t'assoies là. Non, ça ira ici. C'était pas une question. D'accord. Désolé. Je suis le détective Rainey, voici le détective Saint-Georges. Salut. Donne ton nom pour l'enregistrement. Vous savez comment je m'appelle. S'il te plaît. David. Milgard. Et en ce moment, tu habites où? À la prison de Saskatoon. C'est écrit ici que tu as eu des démêlés avec la justice, que tu as également des problèmes de comportement. Non, 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 ça c'est l'abréviation de dur à cuire. Je vends des magazines, moi. J'ai un emploi, non? Ah oui, avec ces cheveux-là. Mais qu'est-ce qu'il croit que t'es une fille? Ouais. Peut-être qu'il croit que t'es une pédale, hein? Non, mon vieux, je suis pas pédé. Ah oui, t'es une vraie tantouse. Ça va, d'accord, t'es pas pédale, alors. Qu'est-ce que t'es, David? Est-ce que t'es un hippie? Qu'est-ce que ça veut dire, hippie? Que t'es dans le vent. Ah ouais? Ça veut dire que t'es un pacifiste. Tu comprends? Peace and love, et tout le truc. C'est ça? Où est-ce que vous voulez en venir? Sexe, drogue et rock'n'roll? Ah merde, pas eux! Les gays, qu'est-ce qui m'énerve? Oh, arrête! Va falloir que je répare cette saloperie de radio, David! Je suis en train de me geler le cul, moi, ici! Tu veux que je vienne te réchauffer? Peut-être bien. Où il est, le joint? Je l'ai bouffé. Ah, quoi? T'inquiète pas, on passe chez Shorty lui demander du fric. On s'achète un joint ou deux, on vole de temps en temps pour l'essence, le long du chemin, et on aura des sous pour partir. Super! Ouais, génial! Tant que vous parlez pas d'entrer par effraction dans des maisons pour aller voler des trucs. Parce que ça... Je déteste. C'est loin encore. Oui, assez. Hey Ron, prends le volant. Non, prends le volant, je te dis. David! Non, allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Non, David, David! Je vais te réchauffer. Non! Elle, c'est Gail Miller. Belle femme, non? Ouais. Pas mon type. Non, sans doute, elle faisait quelque chose de sa vie, elle. Imagine sa mère quand elle a dû la voir. Comme ça. Vous avez une cigarette? Oui. Ah, c'est mauvais, les menthols. Ça va vous rendre stérile. Et chauve aussi. Merci. Une pour plus tard? Shorty habite à côté d'une grande église, alors il faut chercher l'église. Hey, j'ai une idée, on devrait prendre de l'acide et aller voir le nouveau film 2001, Odyssée de l'espace. Mais demande à la fille. Excusez-moi, est-ce qu'on est à Pleasant Hill, ici? Merci pour rien. Oh, vous avez du feu? On te montre une photo d'une fille morte, et tout ce que tu veux, c'est fumer une cigarette. Salaud! Réponds-nous! Regarde! Tu veux que je te frappe? C'est toi qui lui as fait ça, hein? Avoue, c'est toi qui as tué! J'ai rien fait du tout! John, pour l'amour du ciel, David essaie de répondre à nos questions. N'est-ce pas, David? J'ai rien fait de mal. T'as pissé dans ton pantalon? Tu m'en dois 5, mon vieux. Il a peut-être pissé avant d'arriver. Ça n'a pas d'importance. Alors c'est moi qui t'ai fait peur, juste un petit peu? Oui, vous m'avez fait peur, vous m'avez fait peur. Allez, assieds-toi, pédale! J'aimerais partir. Je veux m'en aller. Vous faites une belle connerie, j'ai rien fait du tout, je veux m'en aller. Si tu la fermais, hein, quitte ou double, j'arrive à le faire pleurer.
Va lui chercher un soda. Quoi? Je crois qu'on peut dire qu'on est un peu frustré. Tu vois, on est persuadé que tu nous caches quelque chose. C'est le cas? Merde, on va devoir se faire survoler. Essaye encore. Elle veut pas démarrer, David. Non, 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 ne me laisse pas. Ne me laisse pas, j'aime pas être seule dans un coin que je connais pas. Sois pas idiote, on va juste chercher des câbles pour démarrer la voiture. Je t'en prie, ne me laisse pas, ne me laisse pas. T'inquiète pas, on va revenir, on va seulement chercher des câbles. Tu nous caches vraiment rien? Écoutez, je vais vous le dire. Ça va, on est arrivé là. Et alors, on a... Je vais vous faire un plan, si vous préférez, je peux... Je veux vous aider. Tu le veux vraiment? Tu le veux vraiment? Parfait. Donne-moi un peu de salive. Vas-y. J'en ai pas. Mâche-le. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, je vois très bien comment un truc comme ça peut se produire. Non, non, c'est vrai, je veux dire. Tu vois, t'es là, pas de fric. Et tout à coup, tu vois cette fille-là avec son sac à main, vrai? Faux. Il n'y a personne aux alentours. Et une chose en amène une autre. Ouais, et ta pulsion sexuelle prend dessus. Je déteste ça. Je déteste ça ici. J'espère bien que David a trouvé des câbles. Je commence à déprimer sérieusement. Nicole, Nicole, arrête de... Qu'est-ce qui se passe? Nicole. Non, non, ne me touche pas, laisse-moi. Désolé. T'as trouvé? Non, aucun câble nulle part. T'as réessayé? Essaye encore, peut-être qu'elle avait besoin de repos. Ah. Il était noyé. Ouais. Avais-tu pris de la drogue? Avais-tu pris de la drogue durant votre voyage? LSD, marijuana, est-ce que t'étais sous l'effet de la drogue? Ça fait tout oublier, pas vrai? Peut-être bien que c'est pour ça que t'arrives pas à te rappeler les choses. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ta voiture était juste devant l'allée où elle a été tuée. T'avais pas d'argent, t'étais un fauteur de troubles. On a le mobile, l'occasion et les mauvaises manières. Elle a été violée et poignardée avec un couteau à légumes encore et encore. Son cou était une plaie béante. Elle est morte au bout de son sang. On a trouvé le couteau. Juste à côté d'elle. La lame était brisée. Est-ce que tu avais un couteau à légumes sur toi durant ton voyage pour préparer ton lunch, hein? Écoute, est-ce que tu crois que personne n'aurait remarqué une bande de hippies chez Shorty? Aujourd'hui, enculé, enculé. Bonjour. Shorty, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hé, bonhomme, comment ça va? Comment est-ce que tu vas? Voici Ron et Nicole. Salut Ron, salut Nicole. Salut. Vous êtes géniaux. Allez-y, entrez, entrez. Toi, t'es magnifique. Shorty, on s'en va à l'océan, tu viens avec nous? Génial, bonhomme. Lequel? À l'ouest, mon vieux, le Pacifique. Mmh. Alors, tu viens? Tu parles que je viens? J'en étais sûr. Oh. T'as du fric? Très bien. Je vais te dire où tu as fait une petite erreur.
Tu arrives ici et la première chose qu'on te dit, c'est qu'on te soupçonne d'avoir quelque chose à voir avec le meurtre de cette fille. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne demandes même pas un avocat. Alors, je me dis, il n'y a pas beaucoup de choix. Ou il est drogué, ou il ne regarde pas votre squad. Ou alors il est coupable. Il te reste une chance de te sortir de là. Tu nous dis ce qui s'est passé. Et peut-être qu'on arrivera à trouver un accord. Autrement, David Larroute risque d'être vraiment très dur. Tu reprendras plein la gueule. Bon. Enlève tes vêtements. Quoi? On doit les examiner. J'ai rien fait du tout. Tu sais qui est à blâmer là-dedans? Les Américains, les déserteurs anti-Vietnam, les profiteurs, l'amour libre, la drogue. C'est comme vivre à côté d'un cloaque qui fuirait. Ça fait rien qu'un officier vérifie si t'as des cicatrices, des bleus, des trucs de genre là. Vas-y, déshabille-toi, tout de suite! Ensuite, je pourrais y aller. Après ça. Si c'est vraiment honteux. Je parie que t'étais la fierté de ta mère à une époque. Pas vrai? Christophe, Stéphane, dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'école. Est-ce que tu viens de me prendre de l'argent? Oui, je te rembourserai. Si c'est pour de la bière pour tes copains, tu m'oublies ça. Pourquoi? Parce que t'as arrêté de boire. Tu sais, papa boit encore. Je bois, regarde-moi. Je peux boire tout le verre. Ouais. Ton père travaille pour gagner sa vie. Maureen, arrête-moi ça. T'en renverses partout. C'est pas le moment de faire ça. Christophe, Suzanne, je ne vous le dirai pas deux fois. Il faut que j'aille travailler. Où est-ce que tu t'en vas? Il faut que je parte. Renez-moi, on va à Saskatoon. C'est hors de question. Je ne lui fais pas confiance. C'est un fauteur de troubles. Je peux y aller. Je peux y aller. David, reviens ici. Tu n'iras pas. Je suis en train de devenir fou ici. Je reviens bientôt, t'inquiète pas. David, David, je t'ordonne de revenir dans la maison. Je vous arrête pour le meurtre de Gail Miller. Peace. Hein? Chez nous. Au début, on a cru à un accident de voiture. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Qu'est-ce que tu faisais? J'en sais rien. C'est quand? Je suis sorti avec Ron et Nicole pour chercher Shorty. Je dois le savoir. Étais-tu drogué? Tu crois que même drogué, je pourrais faire une chose comme ça? Maman! On parle que de ça dans les journaux et à la télévision, la manière dont t'as tué cette fille. Je ne l'ai pas tuée. Je n'ai rien fait, je vous le jure. Papa, je t'en prie. Ils sont mauvais gars. Eh bien, certainement qu'ils vont bientôt s'apercevoir de leur erreur. L'aide juridique m'a donné un avocat, il vous a appelé. Oui, oui, il avait l'air plutôt gentil, il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. T'as juste allé à la barre et leur raconter ta version, dire la vérité. Ben, c'est ce que je veux faire. Je veux aller à la barre et témoigner, l'avocat dit que je ne devrais pas. Tout va bien aller. Ça va aller. Oui, mes amis vont m'appuyer, bien sûr. Monsieur Wilson, ce couteau, était-ce un couteau de chasse, un couteau de cuisine? Quelle sorte de couteau était-ce? Non, c'était un genre de couteau à légumes. Une petite minute. Où était ce couteau? Ben, sur lui. Sur lui et personnellement, si je peux dire. Dans sa main, dans sa poche, où? Ben, j'en sais rien, il l'avait. C'est tout. Est-ce bien la déposition que vous avez faite au détective René? Ouais. La déposition du témoin dit, et je cite, nous avons roulé un certain temps et ensuite David a demandé le chemin à une fille. Vous rappelez-vous avoir dit ça? Ouais. Elle continue en disant, quand la voiture a refusé de démarrer, David et Ron ont cherché de l'aide. Et ensuite, ce dont je me rappelle, c'est d'avoir vu David dans l'allée. Il avait rejoint la même fille
à qui il venait de parler. Je l'ai vu essayer de s'emparer de son sac à main. Ensuite, je l'ai vu essayer de s'en emparer à nouveau. J'en sais rien, je me rappelle pas si j'ai dit ou si j'ai pas dit ça. C'est des mensonges. Laissez-moi témoigner, je dirai la vérité. Mademoiselle John, êtes-vous en train de dire que vous ne pouvez vous rappeler avoir vu l'accusé s'emparer du sac à main? Non. J'ai oublié. Je n'arrive pas à me rappeler. Ensuite, j'ai vu David fouiller dans sa poche et prendre son couteau. Vous rappelez-vous avoir dit ça? Je ne me rappelle pas. Monsieur Wilson, voici l'allée où le corps de Gail Miller a été découvert. Et ici, à courte distance, c'est l'endroit où votre voiture a calé. Alors, après que vous et David soyez sortis de la voiture pour demander de l'aide, combien de temps, selon vous, vous êtes-vous éloigné? Environ une quinzaine de minutes, je dirais. Et quand vous êtes retourné à la voiture, quelle a été l'attitude de Nicole? Je déteste ça ici, je déteste ça, je déteste cette ville! Complètement disjonctée. Je déteste tout ça, lâche-moi! Du calme! Elle était folle. Avez-vous déclaré ceci au détective René? J'ai vu le couteau dans la main de David et il la poignardait. J'en sais rien. Vous ne vous rappelez pas l'avoir vu la poignarder? J'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je veux dire, je me demande même si j'étais dans la voiture, moi aussi. Vous avez témoigné que vous étiez dans la voiture. Vous avez oublié ça? Si vous saviez seulement à quel point ça peut me déranger, je commence à me demander si c'est pas moi qui l'ai fait. Votre déposition, dont mon cher collègue nous a fait la lecture, a été faite au détective René. Ouais. Avant cela, après que vous ayez cessé de voir Ron et David, preniez-vous du LSD? Ouais, je me piquais et je prenais de l'acide tous les 3 jours. Donc, votre déposition à la police a été faite durant cette période de dépendance à la drogue? Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous pourriez expliquer au jury les effets que cela entraîne? Oh, vous avez des hallucinations. Vous voyez des couleurs. Des distorsions dans votre cerveau. Avez-vous dit à la police, quand ils vous ont interrogé, que vous preniez du LSD? Ouais, je l'ai dit au détective René. Puis régler son compte. Quand David Milgaard est revenu à la voiture, il a dit, j'ai réglé son compte. J'ai réglé son compte. Ouais, j'ai réglé son compte. Ou alors, des mots du même genre. C'est un tissu de mensonge. Laissez-moi aller là-bas et dire ma version. Maître. Un moment, je vous prie, votre honneur. Il n'y a absolument rien à faire. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ils n'ont rien prouvé du tout. Allez à la barre et toute votre vie va devenir une foire rêvée. Drogue dure, dossier antérieur, amour libre... Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils racontent. J'ai qu'à aller à la barre et leur expliquer... Regardez, jury. Regardez leurs yeux. Regardez leurs visages. Si jamais vous allez les moigner, tout ce qu'ils verront, c'est le hippie drogué dont ils essaient de préserver leurs enfants dans la cour d'école. Laissez-moi faire mon travail. Je demande la clémence de la cour. À cette étape-ci, votre honneur, la couronne désirerait déposer en preuve le portefeuille de Gail Miller. Mesdames et messieurs du jury, ce portefeuille, celui de Gail Miller, a été trouvé à environ 30 mètres de la résidence des Cadrins. Donc, monsieur Wilson, mademoiselle John et l'accusé ont roulé jusqu'à Saskatoon, et quand ils sont arrivés chez vous, monsieur Cadrin, avez-vous remarqué dans la tenue de David Milgaard quelque chose qui vous a particulièrement frappé? Il y avait du sang sur son pantalon. Je suis désolé, je n'ai rien entendu. Pourriez-vous parler plus fort pour que le jury puisse vous comprendre, monsieur Cadrin?
Oui, il y avait du sang sur son pantalon. Il faut qu'on s'en aille d'ici au plus vite. T'as du fric? Il y avait du sang sur son pantalon. Il a dit qu'il voulait changer. Les taches sur le pantalon de David, est-ce qu'elles donnaient l'impression d'éclaboussures ou bien est-ce qu'elles avaient l'air ouais. de... Ouais. Vraies taches. Non. Des vraies taches. Monsieur Rasmussen, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ce matin-là? Oui, monsieur, il m'a demandé un chemin, alors je lui ai montré un plan. Vous souvenez-vous à quelle heure l'accusé est arrivé à votre magasin général? Environ 7 heures du matin, le café n'était pas encore prêt. À votre connaissance, y avait-il des taches sur son pantalon? Uniquement celle de la soupe qu'il venait de m'acheter. Et si je m'en rappelle aussi clairement, c'est que... Eh bien, il pleuvait et il n'avait pas de chaussures. Votre honneur, mesdames et messieurs du jury, quand Gil Miller a quitté sa maison ce jour-là à 6h50 du matin pour prendre l'autobus pour aller travailler, elle n'avait aucune idée du destin tragique qui l'attendait. Quand elle a dépassé l'accusé, David Milgaard, celui-ci a tout de suite vu l'occasion qui s'offrait à lui. Il avait besoin d'argent, alors il a décidé de voler son sac à main. Mais quand Gil Miller a résisté, ce que toute jeune femme en santé aurait fait, ce malheureux petit vol de sac à main s'est transformé en un viol abject pour se terminer en meurtre sauvage. David Milgaard a tailladé la gorge de cette jeune femme et il l'a poignardée à maintes reprises, encore et encore, dans une frénésie de violence sexuelle. Ensuite, il a abandonné sa jeune victime mutilée à moitié nue. Finalement, Gail Miller est arrivé dans l'allée où l'attaque s'est produite à 6h55 du matin. Et selon le médecin légiste, l'attaque a duré de 10 à 12 minutes. Cependant, M. Rasmussen a témoigné que l'accusé était dans son magasin général. 12 coins de rue plus loin, avant que le café ne soit prêt, à 7h10. Comment est-il possible pour un homme de commettre un meurtre sauvage, de parcourir toute cette distance, de calmement entrer dans un magasin général et demander son chemin? Cela défie toute logique. Je vous demande donc de déclarer le prévenu, David Milgaard, innocent de ce dont on l'accuse. Parce que David Milgaard est innocent. Votre honneur. Les témoins contre l'accusé sont des drogués et des criminels. Ils disent qu'ils ont vu du sang sur les vêtements de l'accusé. Mais le plus crédible des témoins dit que non. Il est évident que la personne qui a commis ce crime devait être couverte de sang. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que le portefeuille de la victime trouvé près de la maison de M. Catrin n'est pas une preuve qui peut être reliée à l'accusé. Qui que ce soit qui l'ait volé peut s'en être débarrassé n'importe où. Quant à Mademoiselle John, je vous enjoins de ne tenir aucun compte de toutes les dépositions faites par elle, mais qu'elle n'a pas corroborées. Vous devez ignorer tout ce qu'elle n'a pas admis à la barre comme étant la vérité. C'est à vous qu'il revient de déterminer la vérité. Membre du jury, en êtes-vous arrivé à un verdict? Oui, votre honneur. Quel est-il? Nous déclarons l'accusé coupable. Veuillez vous lever. La sentence dans cette cause est impérative. Vous êtes condamné à l'emprisonnement à vie. Ce procès est terminé. C'est une erreur. Je n'ai rien fait. David. Je n'ai rien fait. David. Vous auriez dû me laisser témoigner.
qui est arrivé? Gail Miller est arrivé. La prison est arrivée. Le diable est arrivé. Oh, c'est affreux de te voir comme ça. La prochaine fois, je dirai que je suis malade, t'auras pas à revenir, d'accord? David. Il faut qu'on parle. D'argent, disons que c'est un problème en ce moment. À cause de l'appel. L'appel, c'est ce qui va te sortir d'ici. Et oui, ça coûte beaucoup d'argent, tu sais. Mais... Mais quoi? Quoi? Dis-le. J'ai trouvé un autre emploi. Seulement, c'est... À Winnipeg. Winnipeg. C'est loin, ça, comme endroit pour aller travailler. C'est en gestion immobilière, c'est payant, ça assure une sécurité et... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander qu'on te transfère à Stony Mountain. Transféreront jamais. On doit essayer. Et ne t'inquiète pas, je vais toujours venir te rendre visite, tu sais. Quand? Winnipeg. J'ai besoin d'un petit truc. J'ai besoin de bouquins, j'ai besoin de fric. Un tas de trucs comme ça. David. David, je t'en prie. Tu dois essayer. Tu dois essayer de comprendre. T'as raison. Tu dois y aller et vivre ta vie. J'en ai rien à foutre. Tu crois que c'est facile pour nous? Ta sœur se fait battre et ton frère... On ne peut plus rester là désormais. Je dois aussi penser à eux. Tu vas me briser le cœur. Et toi alors, combien de fois tu m'as brisé le mien? Il s'appelle Larry Fisher. Winnipeg l'a attrapé pour viol. Ils l'ont envoyé à Morrison. Il a quelque chose à nous dire. Oui, mais nous, c'est les homicides. Pourquoi pas l'envoyer au meurtre? C'est peut-être notre technique d'interrogatoire. De toute façon, j'ai reçu un appel du procureur de la couronne. Il a dit que les aveux du type ne tiendront pas parce qu'il n'était peut-être pas volontaire. Qu'est-ce qu'il croit? Que tu lui as tordu le bras? J'en sais rien, mais va donc savoir. Alors, si on parlait de toi. Tu es venu ici de ton plein gré, vrai? Personne ne t'a battu, personne ne t'a forcé à venir ici. Eh bien, pour dire la vérité, j'ai reçu une bonne raclée de la part des gardiens de prison là-bas. Mais c'est pas pour ça que je suis ici. Je viens de décharger ma conscience. Alors vas-y, Larry, décharge-la. Ils vous ont rien dit à mon sujet? C'est une belle petite ordure, d'après ce que je sais. T'as avoué deux viols à Winnipeg, c'est bien ça? Oui, et je veux... On a avoué un autre que j'ai fait quand j'étais ici, dans le quartier de Pleasant Hill en 1968. Seigneur. C'est fascinant tout de même. Justement, on avait eu plusieurs viols dans ce coin-là pendant que tu y habitais. Mais moi, j'en ai fait qu'un seul. Oh, d'accord. Tu sais, un type comme toi, c'est évident que t'as un grand appétit sexuel. Oui, je suis curieux. Est-ce que c'est comme une maladie du genre tarif-là de contrôler? Je vois une femme et... J'ai mal à la tête. Et... Je commence à la suivre. Je perds la tête. Ce n'est pas moi quand ça se produit. Ce n'est plus moi le maître. Combien tu dis que tu en avais violé quand tu vivais ici? Je vous l'ai dit, une seule. D'accord, Larry. Je vais te le redemander une autre petite fois. Combien t'as dit déjà? Ok. Je crois qu'il y en a eu une autre. Je l'avais oubliée. Vous croyez que le juge sera indulgent avec moi parce que j'ai avoué? Malheureusement, oui. Ils sont moins sévères pour le viol que pour le meurtre. Tant mieux. Parce que je n'ai jamais tué personne. J'ai passé en revue toutes les dépositions. Je suis convaincue que le juge du procès a donné des instructions adéquates au jury quant aux principes de loi applicables. À mon avis, le jury... en déclarant le prévenu coupable, a appliqué ses principes de loi selon les dépositions qu'il avait. Et ces dispositions lui permettaient clairement de déclarer le prévenu coupable de ce dont il était accusé. En conséquence, la demande d'appel est rejetée. Je
Chère Maureen, j'ai reçu ta lettre. Je meurs d'impatience de vous voir, maman et toi, la semaine prochaine. Dieu merci, je suis à Stony Mountain, on pourra se voir régulièrement. 10 ans. Je sais, c'est dur à croire pour moi aussi. Le pire, c'est que tu es devenue une jeune femme maintenant. Et j'ai jamais eu la chance de pouvoir engueuler un de tes imbéciles de petits amis. Moi, j'ai un service à te demander. Tu as dit que tu allais au lac ce week-end. Alors je me demandais si tu pouvais pas prendre des photos. Enfin, je veux dire, dans ta tête, tu vois. Quand tu reviendras me voir, tu pourras tout me raconter. Ce que ça fait, le sable, entre tes orteils. Ce que tu ressens quand tu plonges dans l'eau. Les filles, les grosses, les maigres, je m'en fiche. Je veux tout savoir. D'accord ? Non. Oui. Oh ! Incroyable. Oh, maman gagne encore. Non, non, Dieu a gagné pour elle. Jamais t'aurais dû gagner cette partie-là. Ne commence pas quelque chose que tu pourras pas finir. Allez, vas-y. Ça suffit. Oh ! Ah, il joue les durs. D'accord, on va voir ce que t'as dans le ventre. Vous deux, ça suffit. On va pas se faire jeter dehors comme la dernière fois. C'est elle qui a commencé. Bah, vous aurez tout le temps de jouer après l'audience pour ta libération sans parole la semaine prochaine. Oh, ne dis pas ces choses-là. Ça me porte toujours malheur. C'est vrai, j'y ai cru, moi, pour mon appel. Regarde ce qui s'est passé. C'est différent, la libération sans parole, c'est sans ta conduite, ta capacité à te débrouiller tout seul. Ce sera à toi d'y aller, de réussir à te vendre. Ouais. Leur montrer que j'arrive à me tenir sur mes jambes, c'est ça? Oui. Tu devrais demander à maman d'être là, elle arriverait à vendre n'importe quoi. Oublie ça. C'est ma dernière chance. Si maman venait avec moi, ce serait comme un signe de faiblesse. Vous devez sourire, mais raisonnablement. Et regardez-les dans les yeux, mais sans les défier. Avec respect. Ça va? Tout d'abord, dites-nous en quoi vous avez progressé, David. Eh bien, j'apprécie beaucoup mon travail et j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. J'ai décidé d'entreprendre mon bac. À proprement parler, c'est assez difficile à faire ici, mais ça m'évite des ennuis. Je reste dans mon coin, je suis occupé. Vous avez eu des débuts assez difficiles. 39 infractions dans les premiers 18 mois, incluant menacer un gardien avec un couteau. C'était de la légitime défense. Depuis ce temps, mon dossier est vierge à 100%, vous le savez. Venons-en au fait, David. Êtes-vous prêt à parler de votre crime? Pardon? Je fais allusion au meurtre de Gail Miller. Pourquoi faut-il en parler? Je croyais qu'il n'était question que de mes progrès. Je vais vous poser une question. Comment espérez-vous nous faire croire que vous avez réellement coupé avec votre passé? Par ma bonne conduite. Vous savez, j'essaie de refaire ma vie en prison. De faire quelque chose de ma vie, c'est bien ce que je suis censé faire, non? Disons que l'on vous libère sur parole et que vous déménagiez près de chez moi. Vous auriez peur si vous m'invitiez à dîner que peut-être j'oublie mes bonnes manières. Eh bien, vous avez été arrêté dans votre jeune âge. Vous avez passé 10 ans en prison. Vous ne croyez pas que vous allez sortir d'ici et vous intégrer comme ça, non? Ben ça, je l'ignore. Oui, je l'ignore. Vous devez me donner une chance. Mais tant que vous n'admettrez pas votre crime, comment serait-ce si vous n'êtes pas une menace? Donc comme je devrais me repentir, c'est bien ça? Admettre sa faute, c'est comme des excuses publiques. Donc ce que vous voulez dire, c'est que, à moins que je n'avoue, je ne serai pas libéré. C'est bien ce que vous êtes en train de me dire. Je peux vous poser une question? Admettriez-vous un crime que vous n'avez pas commis? Même pour sortir d'ici? Je crois pas que vous le feriez. Oui, ce n'est pas moi qui ai fait une énorme erreur dans cette histoire. Je suis innocent, monsieur. Je suis un homme innocent. David, j'ai dû passer 2 ans à quémander pour vous avoir un jour de liberté. Ne me faites pas regretter de vous avoir fait confiance. D'accord. Allons-y. David, content de te voir, mon gars. Allez, va manger. Ouais. David. Salut. Hey, ça va, mon vieux?
bienvenue à la maison. Salut. David, t'as l'air en forme. Ça doit être une cousine. Et ça dirait de venir jouer au badminton. Merci, je ne joue que pour gagner. Je ne joue que pour l'argent. Comment va? Regardez mes garçons, j'arrive pas à y croire. Il faut que tu manges quelque chose, David. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir votre attention? Je voudrais tous vous remercier d'être venus ici pour que David se sente à la maison. Oui, merci à tout le monde d'être venu. Être ici, c'est... c'est comme recevoir une caisse de bière. Voulez-vous dire une prière avec moi? Merci, mon Dieu, de permettre à David de venir ici aujourd'hui. Et nous voudrions vous demander de nous le ramener pour toujours. Amen. Amen. Attends. J'y vais. Toute votre famille est charmante, David. Oui. Merci de la partager avec moi. Je vous en prie. Excusez-moi. D'accord. Notre ami ne viendra pas. Oh, merde. Merde. Où est ta voiture? David. Maureen, bon Dieu de merde, où est ta voiture? Oh, je t'en prie. Ils sont en train de m'arracher tout ce qu'il y a de pire en moi. Tu peux le sentir ici. Mais ici aussi, dans ma tête. Ils vont réussir à me rendre fou. J'y retournerai pas, je peux pas y retourner. Il faut que tu m'aides. Maureen, aide-moi. D'accord, suis-moi. Mais tout. Je peux voir? Oh, j'ai toujours voulu être blond, tu sais. Dépêche-toi, masse-moi bien les cheveux. Tu vas être superbe. T'as peur? Oh, évidemment que j'ai peur. Dis juste aux flics que je t'ai pris en otage. Et il laisse ta voiture à Weston. C'est ça, je ils sais. Croiront que je suis passé par là, d'accord? Viens. Allez, va-t'en vite. Merci, Maureen. Je t'aime, tu sais. Fais attention à toi. Tant que t'arrives, la police vient de partir. Maman. Maman, il m'a forcé. La vaisselle est lavée. Seigneur, maman. Tu comprends vraiment rien du tout. Là-bas, il était en train de mourir. Et toi, t'as même pas l'air d'y prêter attention. T'es là à faire tes trucs d'église et... Oh, Dieu sait quoi d'autre. Comme travailler pour vivre, payer les factures, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est ça, ne pas prêter attention. J'en sais rien. On dirait que tu agis comme si c'était terminé pour lui, comme s'il devait juste rester là et en prendre son parti ou je sais pas quoi. Il refuse de faire ça. Il n'a jamais été comme ça. Il n'est pas toi. Il allait bien. Oui, il va nous envoyer un message. Seigneur, protégez-le. Si vous les achetez, je peux vous donner les verres. Merci. Salut. Salut. Elles sont jolies, celles-là, je les adore. C'est vraiment la paire que je préfère. Ah oui? Il n'y a personne qui les a remarquées. Elles veulent toutes les roses. Des trucs fluorescents. Je sais pas.
boucle d'oreille, vous voyez. Je dois choisir. Un loyer pour 3 dollars. Merci. Et une seconde. Un cadeau. Non, soyez sérieux. Non, pour la fille qui a l'œil. Je veux que vous les preniez. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est gentil de votre part. On se reverra. Je l'espère. Ok. Bye. Bye. Joli. D'accord. Où allez-vous comme ça? Ôtez-vous de mon chemin, ôtez-vous de mon chemin, je vais voir mon fils. Sortez d'ici, s'il vous plaît. On est en train de se faire avoir. S'il y a un précédent, je découvrirai. Concentrez-vous sur l'appel. D'accord. Monsieur Walsh. Je suis occupé, désolé. Si vous voulez un rendez-vous, appelez ma secrétaire. Je suis Joyce Milgard, la mère de David Milgard. Que voulez-vous, madame Milgard? Un avocat, honnête. Comment va votre fils? Pas très bien, j'en ai peur. Il est retourné à Stony Mountain. Oui, monsieur Walsh. Combien est-ce que ça me coûterait pour que vous jetiez un coup d'œil sur ces transcriptions? Et dans quel but? Je veux réouvrir la cause. Alors combien ça coûterait pour que vous les examiniez? Est-ce que vous savez que jamais une condamnation pour meurtre n'a été annulée dans l'histoire de ce pays? Monsieur Walsh, mon fils est innocent. Malheureusement, et je ne veux pas vous paraître sans cœur, mais mon fils est innocent. C'est plus qu'un cliché. Est-ce que vous croyez au système de justice dans ce pays, monsieur Walsh? Oui, j'y crois. Alors prouvez-moi qu'il fonctionne. Prenez le dossier. J'ai le temps de jeter un coup d'œil si vous voulez, Hirsch. Madame Milgard, la condamnation de votre fils ne peut être annulée que par la Cour suprême. Et pour en arriver là, vous devez d'abord prouver au ministère de la Justice qu'il y a de nouvelles preuves contraignantes. Ils veulent du nouveau ou quelque chose qui attire leur attention? Vous voyez, j'ignorais ça. Vous avez déjà commencé à gagner votre argent. Je suis désolée, rappelez-moi votre nom. David Asper. Envoyez-moi la facture, j'attendrai votre appel. Vous le vouliez? Vous l'avez. Chère maman, j'ai fait un rêve hier soir. On était en voiture avec Ron et Nicole. Seulement là, c'est toi qui conduisais. Ça ne paraissait pas étrange du tout. Soudainement, j'ai senti une douleur dans mon dos. Et je me suis aperçu qu'on m'avait tiré dessus. Je mettais du sang partout. Toi, tu étais fâchée parce que tu allais devoir tout nettoyer. Et tu disais, c'est ta faute. Tu
as raison, maman. C'est ma faute si je suis ici. Cher David, que je ne t'entende plus jamais me dire que c'est ta faute si tu es en prison. Ce n'est pas ta faute. Et tu dois toujours le croire. On ne sait pas pourquoi la malchance nous poursuit, ni pourquoi on se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais notre père le sait, lui. On doit lui faire confiance. Comme disent les Saintes Écritures, il n'aide que ceux qui cèdent eux-mêmes. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Maman, je sais que tu fais tout ce que tu peux. Mais ça fait 17 ans. Et des fois, j'en arrive à un point où je me retrouve assis dans ma cellule, à contempler les murs et à me demander quand je vais sortir d'ici. Ensuite, je me mets à déprimer encore plus et je me dis de quoi j'aurai l'air si jamais je sors d'ici. J'ai peur d'être quelqu'un qui n'a pas survécu. Je sais que tu as peur. J'ai peur également. Mais je n'abandonne pas et je ne te laisserai pas abandonner. Je vais continuer d'essayer. Je vais te sortir de là. Je te le promets. Je vais te sortir de là. Je savais que vous viendriez. Vous savez, le jour où David s'est enfui, j'étais sûr qu'il allait venir me voir. À cause de ce que j'avais dit. Vous savez ce que c'est. J'ai vécu toutes sortes de problèmes depuis ce temps-là. Héroïne, des trucs comme ça, et je vais essayer de recommencer à zéro si c'est possible. Pourquoi as-tu menti? Pourquoi avez-vous tous menti? Je regardais tes antécédents, Ron. Fraude, vol qualifié. Drogue. Est-ce que tu es drogué en ce moment? Non. Merde, comment je pourrais être drogué? Je suis avec vous depuis des jours. On va revenir au voyage que vous faisiez. Non. On en a parlé encore et encore de ce voyage-là, merde. Oui, tu nous as raconté un paquet de conneries. Ça va, essayons encore. Est-ce que tu as tué Gail Miller? Non. Tu crois que David l'a tué? Non. Peut-être qu'ils l'ont tué ensemble, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Oh, si jamais c'est le cas... Ron, tu ferais sans doute mieux de réfléchir aux options que tu as. Ouais, il y en a une qui te permet de passer go, et l'autre te mène directement en prison. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai pas resté ici. Qu'est-ce que vous... madame! Ne me laissez pas toute seule! Écoutez, écoutez, vous savez que quand David est arrivé la première fois chez moi, ouais. Eh bien, je savais à ce moment-là qu'il s'était passé quelque chose de bizarre. Comme quoi? Quoi? Est-ce qu'il avait l'air étrange? Il a toujours l'air étrange. Oui. Oui, il bouge continuellement, il est toujours sur une patte à courir, des trucs comme ça, mais il y avait quelque chose chez lui, ce jour-là, d'effrayant. J'ai vraiment eu peur. Oui, c'est là que tu dis que tu as vu du sang sur ses vêtements, c'est bien ça? Oui, je me rappelle, je m'en suis pas rappelé tout de suite, je dois dire, c'est vrai que je m'en suis pas rappelé tout de suite. Je vous l'ai dit, je sais, mais est-ce que je vais recevoir l'argent de la récompense? Vous croyez que je suis éligible pour le toucher? T'es vraiment une belle ordure, toi, sur ce soir. Non, il faut que je te parle. Écoute-moi, écoute, c'est important ce que je te dis. J'ai une vision à propos de David, et tu sais quoi? Attendez, il y avait une tache sur David. Je te jure, il y avait une tache juste là sur son pantalon. David, il y avait une tache sur son pantalon. Tu dis n'importe quoi, Charty. Une tache sur son pantalon, crois-moi. Merde. Écoute, si Charty avait du sang sur le pantalon de David, comment se fait-il que tu ne l'aies pas vu? J'en sais rien. Peut-être parce qu'il n'y avait rien. David avait un couteau. Je me rappelle pas. Peut-être bien. Ah oui, quel sort de couteau? Peut-être que si t'en regardais plusieurs. Est-ce que ça m'aiderait à sortir d'ici plus tôt? Si on te faisait passer le test du polygraphe. Qu'est-ce que c'est que ça? Un détecteur de mensonges. Ça nous indique quand tu mens. T'as vu Shorty, toi? Dieu de merde, je sais pas ce qu'il a, il est complètement parti. Qu'est-ce que t'as dit? T'es resté là un bout de temps. Ils t'ont branché sur la machine.
fallait pas mettre ça sur moi. Pourquoi t'avais l'intention de nous mentir? Ils m'ont enfermé dans la prison pour femme hier soir. Quoi? J'étais toute seule. Des vrais porcs. Oui. Des porcs. Oui. Ils n'ont pas arrêté de me demander encore et encore si David l'avait tué. Est-ce qu'il l'a tué? Est-ce que t'as vu David encore et encore continuellement? La saloperie de machine disait que je mentais. Tu vois, Ron nous a dit qu'après que David ait demandé le chemin à la fille, la voiture a calé. Pourquoi tu nous as pas dit ça, Nicole? J'ai oublié. T'as oublié? Ils m'ont amené sur les lieux du crime. Ça m'a foutu la trouille. Moi aussi. J'ai entendu comme des cloches. Toi, tu les as pas entendues? D'accord, alors Ron et David sont sortis de la voiture, c'est bien ça? Ouais, chercher de l'aide pour l'auto. Tu sais, Nicole, j'en arrive même à me dire que peut-être David... Peut-être David l'aurait tué, tu vois? Oui, quand il a quitté la voiture. Alors qu'est-ce qui s'est passé après que les deux soient partis? J'ai paniqué. Je veux dire, il l'a pas tué, non? Comment est-ce qu'il aurait pu? Très bien. Nicole, Nicole. Ouais. Tu attends dans la voiture. Tu regardes par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois, Nicole? On sait très bien ce qu'ils veulent. Ils lâcheront jamais le morceau. Tant qu'ils l'auront pas, lui. Qu'est-ce que tu vois? C'est ça. Qu'est-ce que tu vois? C'est ça que tu vois? Ils arrêteront jamais de harceler tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Tant qu'ils n'auront pas David. Si jamais cette fille-là, c'était ta propre sœur. On n'a aucun choix. Il faut qu'on le fasse, Nicole. C'est nous deux contre lui. Je me rappelle maintenant. Coulons-le. David est dans l'allée. Il le poignarde. Shorty a passé un peu de temps dans un hôpital psychiatrique. Mais Nicole... J'en sais rien, je ne l'ai pas revue depuis. Serais-tu d'accord pour rétracter ton témoignage? Je veux dire, le reprendre par écrit. Ouais. Je veux dire la vérité. Dites à David que je m'excuse. Ouais. Il a changé d'avis. Il a dit de vous dire qu'il était malade. Qu'est-ce que vous lui avez fait? On ne lui a fait absolument rien. Il s'est fait ça tout seul. Ah oui, vous ne lui avez jamais tiré dessus, peut-être? Vous ne lui avez pas volé la moitié de sa vie? C'est à cause de vous que mon fils est malade. Allô? Êtes-vous l'avocat de David Milgard? Voulez-vous savoir qui a réellement tué Gail Miller? Larry Fisher, 7 condamnations. Larry
Harry Fisher aurait violé des femmes à Pleasant Hill à la même époque que le meurtre. Maintenant, où est-il? À Prince Albert. Mais il va bientôt obtenir sa libération. Fisher, ça me dit quelque chose. L'homme à l'arrêt d'autobus avec le casque jaune. Attendez. Voilà. Larry Fisher. Il a été interrogé quelques jours après le meurtre quand il se rendait à son travail. Il prenait le même autobus que Gail Miller. Larry me traumatise. S'il découvre que je vous ai parlé, j'ai des enfants. Alors vous comprenez ce que je ressens en tant que mère. Vous savez, j'ai déjà été voir la police à ce sujet-là, il y a des années, après qu'on soit séparés. Ils n'ont absolument rien fait. Est-ce que ça vous dérangerait de me dire ce que vous leur avez dit? D'accord. Je me suis levée ce matin-là, et l'espèce de con était assis sur sa chaise, il était en tenue de ville. Il n'avait aucunement l'intention d'aller travailler. J'ai su tout de suite qu'il n'était pas rentré de la nuit. Et j'ai vu que mon couteau à légumes manquait. Alors quand j'ai entendu parler du meurtre, j'étais encore en colère contre lui. Je lui ai dit, tu l'as sûrement tué. Je vous le jure devant Dieu, il est devenu blanc comme un drap. Fisher a violé Mary Phillips le 12 octobre 68. Gracie Webb a été violée le 13 novembre 68. Monica Selman a été violée le 29 novembre 68. Et deux mois plus tard, Gail Miller a été violée et a eu la gorge tranchée. Pourquoi dans ce coin-là et nulle part ailleurs? C'est quoi l'adresse de Fisher? Son ex-femme me l'a donnée. Attendez. La voici. C'est ici, en plein milieu. Une minute. Une minute. Et voilà. La maison de Shorty Cadre. Larry Fisher avait un appartement au sous-sol. Oh, le fumier. Alors, qu'en dites-vous, Hirsch? Intéressant. Intéressant? Faut pas vous exciter, vous pourriez avoir une attaque. On a encore une longue route à faire. Hé, hey, je mets juste l'essence dans la voiture. Si le ministère de la Justice aime le modèle, ils peuvent démarrer le moteur. Hirsch, qu'est-ce qu'on va faire? On a les déclarations des témoins qui rétractent leur témoignage. On a celle de Linda Fisher. On a trouvé des failles dans l'autopsie. Et on a Larry Fisher. Hirsch? On y va avec tout ce qu'on a. Tout droit au ministère de la Justice. Calme-toi, il faut que tu sois patient. Ça exige du temps pour réinterroger les témoins. Il y a un temps. Et maman, tu sais quoi? J'ai eu une petite révélation l'autre jour. Je lisais le livre de Job, tu vois. Et là-dedans, Dieu a une conversation avec le diable. Et il dit... Hé, hey, regarde un peu Job là-bas. Waouh, ça c'est un client éventuel pour toi. Et tu sais ce que le diable lui a dit? Il a dit, oh oui, démolis-le. Alors ils font tous les deux un pari, tu imagines? Ils font un pari. Et Dieu enlève tout à Job. Il lui enlève sa femme, ses enfants, sa maison. Il lui enlève tout, absolument tout. Il lui donne le cancer. Alors Job décide qu'il est temps d'avoir un petit face-à-face avec Dieu pour tirer ça au clair. Alors il dit, oh, je crois que c'est clair, j'ai compris, c'est toi le Dieu. Tu sais, j'adore les blagues. Mais tu sais quoi, moi? Je crois pas que ce soit drôle. C'est quoi ça? Non, c'est quoi ça? Est-ce que tu sais à quel point je me suis sacrifiée? On est tout près, David. Tu dois rester en vie, est-ce que tu me comprends? Tu dois rester en vie. J'ai des mauvaises nouvelles. Le ministère de la Justice nous a déboutés. Médecin légiste, témoin. Par Ron Wilson. Ron Wilson, eh bien, après que leur enquêteur ait fini de l'interroger. Ce charmant garçon n'avait plus la moindre idée de ce que le mot cuisiner voulait dire. Est-ce que la police vous a fait des menaces pour vous intimider? Réponse, non. Question, alors, comment vous ont-ils manipulé? En me pressant et en me faisant douter. Êtes-vous en train de dire que vous êtes sensible aux suggestions? Oui. Je croyais que ce serait Shorty avec qui il n'y aurait plus de problème. Eh bien, Shorty, selon sa mère, n'était pas du tout délinquant dans ce temps-là. C'est un petit ange. Et Nicole John? Dieu sait ce qui lui est arrivé à elle. Je veux dire, la pauvre enfant ne sait même pas encore ce qui lui est arrivé. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font de Larry Fisher? Il n'y a aucune preuve matérielle qui relie Larry Fisher au meurtre. Conclusion, ce n'était que coïncidence. Quand j'ai quitté Hirsch, il était foudrage. Il préparait une lettre au ministère de la Justice remplie de gros points d'exclamation et de mots très explicites. Comment je vais annoncer ça, David?
Il est trop tard. J'ai appelé la prison et ils lui ont déjà annoncé la nouvelle. Il faut que je le voie. C'est impossible. Il est en cellule d'isolement pour 2 semaines. Je suis désolé, mais je dois m'en aller. Oh. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va bien. Vous êtes certaine? Oui. Écoutez, tout n'est pas fini, d'accord? On va continuer d'essayer. Au revoir. Merci. Non, maman. Je peux plus continuer comme ça. Maman, si tu devais tout recommencer encore... Oh, ça, non. D'accord, mais si tu avais envie de le faire, par où tu commencerais? Je t'en prie, il faut que tu y penses. Par où, hein? Par où tu commencerais? Après le procès, j'espérais ne plus jamais entendre le nom de Larry Fisher à nouveau. J'ai subi. Vous pouvez le voir ce que j'ai subi. Comment je vis. Je sais que tout ceci est très difficile. Mais j'ai parlé avec chacune de ces victimes. Je fais tout ce que je peux pour trouver quelque chose qui m'aiderait à faire libérer mon fils. Vous êtes la dernière sur ma liste. Madame Milgaard, je peux vous aider, je pense. Tranche la gorge, j'ai un couteau. Non! Lâchez-moi! Ne me résiste pas, non! La ferme, j'ai compris. Que vous deviez, si quelqu'un faisait ça à votre tais-toi. Mère. Non, ne me tuez pas! Je vous supplie, ne me tuez pas! C'est lui qui m'a fait ça. C'est toi? Est-ce que ça va? Si on veut. Je traverse une mauvaise passe. Oui. Tu devrais revenir. Oui. Oui. Tu dis une prière? Oui. Non, je veux pas l'entendre. Dis-le en silence. Juste, non. D'accord. Allô, oui, je suis... Est-ce que c'est le Winnipeg Free Press? Le service des nouvelles, je vous prie. Oui, c'est Joyce Milgaard à l'appareil. Qu'est-ce qui vient? Comment vous sentez-vous dans tout ça, David? Je dis une prière... Libérez David Milgaard.
Encore une fois cette semaine, l'affaire David Milgaard fait la manchette. Selon certains documents envoyés au ministère de la Justice pour une demande de révision, une femme aurait déclaré avoir été attaquée le matin même où Gail Miller a été tuée. Selon la description de cette femme, l'homme aurait une ressemblance frappante avec Larry Fisher, un violeur. Le ministre de la Justice a subi un feu roulant de questions au Parlement aujourd'hui quand plusieurs députés l'ont interrogé sur l'affaire Milgaard. Dans ce qui pourrait s'avérer être un développement majeur dans l'affaire David Milgaard, la ministre de la Justice, Kim Campbell, a convoqué une conférence de presse. Bien que la ministre essaie de montrer qu'elle ne se plie pas à la pression de l'opinion publique, on s'attend à ce qu'elle annonce sa décision concernant le sort de David Milgaard, qui, pour bien des gens au Canada, est victime d'erreurs judiciaires. Ça y est, on l'a eu. La ministre de la Justice a renversé la décision. J'ai examiné votre demande en ce qui a fait à David Milgaard. Oui. La première fois, j'étais certaine de la décision. Mais dû aux conclusions différentes, la seconde demande était... C'était presque la même demande. Oui, c'était exactement la même, mais différente. Merci aux médias. Bon, j'en étais. Ok. Voilà, j'y suis. Je suis confronté à des preuves que je suis incapable d'évaluer sans demander l'avis de la Cour. Et donc, je demande que cette cause soit entendue devant la Cour suprême du Canada. Félicitations. Et à vous aussi. Oh, merci. Je vous en prie. Merci. Il faut que je retourne en cours, je dois y aller. Il faut que j'y aille, il faut que je retourne en cours. Il faut que j'y retourne. C'est une journée particulière, je dois dire non. Je vais m'en rappeler longtemps. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes une femme courageuse? Si je l'étais, ça ne m'aurait pas demandé autant de temps pour voir ce que je devais faire pour David. Le temps n'a pas d'importance. Vous l'avez fait. Ouais. Connaissez-vous les Saintes Écritures? Vous rappelez-vous celle où Jésus guérit un mendiant? Et le mendiant lui répond: avant, j'étais aveugle. Mais aujourd'hui, je vois. C'est vraiment incroyable. Voici la voiture. La voiture est là. Madame Milgaard. Madame Milgaard, êtes-vous optimiste? Absolument. Oh oui, je suis. Depuis le début, je suis optimiste. Tout devrait bien se passer. Il est en pleine forme, il a appelé. Est-ce qu'il est aussi optimiste que vous? Écoutez, pour l'instant, attendons la fin. Mademoiselle Colbert, combien de fois Larry Fisher vous a-t-il agressé sexuellement? 2 fois. Et durant votre supplice, avant qu'il ne vous tranche la gorge, il vous a dit qu'il avait tranché la gorge à une autre femme? Oui. Est-il vrai, Monsieur Fisher, que si votre victime résiste ou se bat, vous devenez plus excité sexuellement? Effectivement, mais pas tout le temps. Mais dans le cas d'Evelyn Colbert? Je dirais que non. L'attaque contre Evelyn Colbert a été particulièrement violente, non? Elles sont toutes violentes, pas seulement celle-là. Toutes. Monsieur Fisher, vous ne voulez pas être l'homme que vous êtes, un agresseur de femmes. Vous aimeriez changer votre vie. J'espère y arriver. Ce que vous recherchez réellement, c'est le pouvoir sur vos victimes. Le sexe n'est que l'aboutissement. Ouais. Dites-moi, les gens qui commettent des crimes à caractère sexuel, s'ils réussissent, ils développent un rituel, n'est-ce pas? Parfois, c'est vrai, ouais. Et parfois, ils changent un peu. Mais vous aviez un rituel, exact. Mon rituel, oui. Parce que vous étiez très doué, vous réussissiez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et en examinant votre rituel, et dites-moi si je m'égare, souvent vous preniez le bus, ou vous suiviez une femme dans le bus, c'est exact? Oui, monsieur. Et êtes-vous d'accord que les femmes que vous avez attaquées étaient dans les quartiers que vous connaissiez? Certaines, oui, pas toutes. Et dans votre rituel, dans chacun des cas, la victime est coincée dans une allée ou dans un endroit isolé? Oui, monsieur. Et c'est ce moment-là qui vous excite, n'est-ce pas? Parce que vous avez le contrôle. Si vous le dites. Ah non, je veux apprendre. Vous devez m'aider. Ça peut arriver à cet instant-là ou quand c'est terminé. Et dans votre rituel, quand vous êtes en train de violer, vous prenez leurs vêtements pour couvrir leur visage? Pas tout le temps.
Mais vous vous rappelez l'avoir fait? Je me rappelle l'avoir fait. Vous ne voulez pas qu'elle vous voie, autrement vous pourriez être forcé de les blesser sérieusement. Si vous le dites, oui, monsieur. Et dans votre rituel? Dans la plupart des attaques, vous utilisez un couteau? Non, monsieur. 5 fois, monsieur. Et quelquefois également un couteau à légumes? Quelquefois, monsieur. Et dans votre rituel, monsieur, ce que vous faites, c'est que vous empoignez la femme par l'arrière, vous mettez le couteau... Par le côté. Oh, par l'autre côté? Oui. Donc vous attaquez par l'autre côté. Vous pouvez peut-être nous aider. Vous êtes un peu sur le côté. Vous l'empoignez, le couteau, quoi, ici, c'est bien ça? Oui, monsieur. Et c'est exactement la même chose chaque fois. Oui, monsieur. Parce que ça fonctionne. Ouais. Monsieur Fischer, je vais faire une supposition. Gail Miller et vous étiez dans le même bus ensemble. Vous saviez qui elle était. Vous l'avez attendue. Et vous l'avez empoignée de la même manière que vous l'avez fait bien des fois. Faux. Ensuite, avec un couteau à légumes sur sa gorge, vous l'avez entraînée dans l'allée. Vous avez remonté son chandail sur sa figure. Et vous l'avez violée. Ça, c'est faux. Et quand vous avez eu fini, Gail s'est débattue, alors vous l'avez violée encore. De la même manière qu'Evelyn Colbert. Ensuite, vous lui avez tranché la gorge et vous l'avez poignardé et brisé le couteau. Et c'est exactement ce que vous avez fait. C'est exactement ce que je n'ai pas fait. Ça correspond à votre rituel, cependant, non? Je n'ai pas commis ce crime. Y a-t-il quelque chose dans ce que je viens de vous dire que vous n'auriez pas fait à d'autres occasions? Je vous dis que je n'ai pas tué Gail Miller. Vous avez menti tellement souvent, monsieur, sur ce que vous avez fait. Mais je vous pose la question. Y a-t-il quelque chose dans ce que je viens de vous dire, n'importe quoi, que vous n'auriez pas fait à d'autres occasions? C'est exact. Et finalement, monsieur Fischer, se pourrait-il que des années plus tard, quand vous avez dit à Evelyn Colbert que vous aviez tranché la gorge d'une femme, avant ça, vous faisiez référence à Gail Miller? Non, pas du tout. Y aurait-il d'autres femmes à qui vous ayez tranché la gorge? Avez-vous tué Gail Miller? Non. Je n'ai pas tué Gail Miller. J'étais encore un enfant quand j'ai été en prison. J'étais un petit gars enfermé avec des meurtriers et des violeurs. Et j'ai été étiqueté comme tel. En prison, c'est la pire étiquette à porter. Personne ne veut rien avoir à faire avec vous, sauf vous taper dessus. Vous avez toujours la trouille, sans arrêt. Vous ne vous adressez à personne. Vous vous faites tout petit et vous vous repliez sur vous-même. Vous faites ce que vous pouvez pour avoir un semblant de vie. Mais j'appartenais pas à ce milieu-là. Je voulais juste ce que tous les enfants veulent. Aller prendre l'air pur et le soleil et avoir une copine avec qui regarder les étoiles. Jamais je n'ai eu l'intention, en m'asseyant ici aujourd'hui, de vous demander d'avoir de la pitié pour moi. Je ne veux qu'avoir la chance de vivre le reste de ma vie en homme libre. J'ai maintenant, paraît-il, des troubles intellectuels. Des hauts et des bas. Un tas de personnes ont ça. Winston Churchill en avait. Mais je n'ai pas toujours eu ça. Et si vous ne me croyez pas que vous pouvez attraper ça à force de vivre en prison, c'est que vous n'y avez jamais été. Je répète ça depuis 23 ans, je suis un homme innocent. Je le dis aujourd'hui. Je suis innocent. Ils le savaient que j'étais innocent, ils le savent depuis toujours que je suis innocent. Mais j'étais juste un jeune en prison. J'étais personne.
Il croyait que tout le monde s'en foutrait, mais ça ne s'est pas produit parce que tout le monde est outré par l'injustice. Le gouvernement a oublié sa raison d'être d'abord et avant tout. Protéger des types comme moi, protéger tout le monde. Et aujourd'hui, dans cette cour ici même, je demande une enquête publique sur ce qui m'est arrivé. Je le demande. Je veux que la justice de ce pays, vous, que vous veniez me voir, moi et ma famille, et que vous disiez qu'ils ont fait une erreur. Je veux que la police et le gouvernement viennent me voir et qu'ils me disent droit dans les yeux. Nous avons fait une monstrueuse erreur, monsieur. La cour est convaincue que le nouveau témoignage, et plus spécialement le rituel d'agression sexuelle commise par un violeur en série déjà condamné, constitue une preuve crédible qui pourrait raisonnablement affecter le verdict d'un jury. Étant donné que de poursuivre l'incarcération de l'accusé pourrait équivaloir à une erreur judiciaire, la cour recommande à la ministre de casser la condamnation et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. La question devrait donc être renvoyée au ministère de la Justice de la Saskatchewan afin qu'il prenne les dispositions nécessaires. Je rentre et je sors. Je suis sorti. Dedans, dehors, dedans. Hey, comment ça va? Salut. Ça va, mon vieux. Serre-moi la main. Écoute, tu viens et t'achètes quelque chose ou tu restes dehors, ça va? Tu viens et t'achètes quelque chose ou tu restes dehors, ça va? D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir, je sors. Je rentre. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as oublié de prendre tes médicaments, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as oublié de prendre tes médicaments, c'est ça? Des tickets! Pour la bon, comète, ça va. Pour ça suffit! Attends! Ma pluie favorite. Il pleut. Je m'en vais parce que je suis venu et maintenant je m'en vais sous la pluie.